La parole est à Madame Halimi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à quelques heures de mon intervention, je me suis interrogée sur ce que j'appellerais son registre. Comment vous parler ? Et comment vous parler de la peine de mort ? En avocate, c'est-à-dire vous redire ici ce que pendant des années, dans une Algérie en guerre et dans une France sourde à nos appels, j'avais défendu avec âpreté à la barre des tribunaux militaires et des cours d'assises, ou alors en député dont le groupe a, dans son programme, inscrit l'abolition de la peine de mort et qui, aujourd'hui, réalise sa promesse, ou enfin en femme féministe, décidée à faire que ce débat est une raison de plus d'être historique, celle de permettre que pour la première fois, la voix des femmes en tant que telle ait droit de citer dans cette enceinte et à l'occasion d'un grand débat de civilisation. Avocate, je me bornerai à un constat et à un hommage. Le constat que tout a été dit et redit par ceux et celles qui, dans les prétoires, ont identifié leur présence et leurs paroles au combat abolitionniste. L'hommage, il va tout naturellement à celui qui a donné à ce combat une dimension nationale, à mon confrère, ami, Robert Badinter. Robert Badinter, devenu le garde des Sceaux de la suppression de la peine capitale. Voyez-vous, l'histoire politique coïncide quelquefois avec une certaine logique. Elle met aujourd'hui, dans ce débat, à la première place le talent et le courage de Robert Badinter. Mais j'ai choisi de vous parler en femme féministe et j'ai l'impression que, ce faisant, je ne risquerai pas de vous imposer des redites. Hélas. Enrico Ferri, pionnier de la criminologie, affirmait il y a plus d'un demi-siècle que la peine capitale était un sujet usé du point de vue intellectuel. Ce débat va peut-être infirmer ce qu'il vient d'écrire, ce qu'il a écrit. Car que des féministes s'expriment et disent leur opposition à la peine de mort apparaîtra justement, heureusement, comme une idée neuve en Europe, mais une idée juste et une idée dans la logique de notre démarche, ni marginale, ni événementielle, ni antagonique de l'homme, faudra-t-il le répéter 100 fois. Le féminisme est porteur d'un projet global de société. Pourquoi ? De quoi nous mêlons-nous ? Allez-vous nous dire ? Mais de justice d'abord, car la démarche féministe est avant tout une revendication de justice. Certes, de justice pour nous, mais aussi de justice pour tous. Le progrès, voyez-vous, est à la fois dans le désir de vie et dans le refus de la mort donnée. Renoncer à cette mort, c'est signifier, il faut le dire, que le progrès social, l'éducation, la justice deviendront nos armes privilégiées contre la violence. C'est décider, une fois pour toutes, de remiser le talion aux accessoires bibliques. Procréer pour nous n'est pas seulement, comme il a été dit il y a quelques années, et peut-être dans cet hémicycle, un acte tricolore. Procréer, c'est un acte de responsabilité et un acte d'espoir. Cette vie donnée parce que nous l'avons choisie, nous n'acceptons pas, nous, que vous la supprimiez. Car à notre responsabilité de femme, source de vie, vous opposeriez votre irresponsabilité de citoyen. Répondre au meurtre individuel
par un meurtre social, et je n'hésite pas à le dire, comme je l'ai senti, comme je l'ai vécu, un acte de lâcheté en même temps qu'un acte de désespoir. Pour que cesse la violence sous toutes ses formes et qu'une nouvelle culture lie les hommes et les femmes de ce pays, pour qu'à la morale de la peur soit substituée la morale de l'espoir, pour que le respect entoure chaque être humain à partir du moment où il a été librement choisi jusqu'à la fin de son cycle biologique. Du droit à la contraception et comme ultime recours à l'avortement jusqu'au refus de la peine de mort, les femmes féministes sont conscientes de ne mener qu'un même combat logique, fondamental, celui du respect et de la dignité de chaque être humain.